بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 208 donc aujourd'hui nous prenons aussi حديث 209 qui est un petit حديث حديث 208 وعن عائشة رضي الله عنها rapporté par Umm al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam injia man zalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i ardin. celui qui fait l'injustice, qui fait un coquin qui fin approprié lui dans une façon qui pas juste, qui quantité, une poignée, ça veut dire l'oser une lamée de la terre, de terrain. Ça veut dire, nous connaissons un terrain comme a été, et dans un pentase, et dans une dimension bien définie, et dans une dimension bien définie, hein, nous allons dire au centimètre près. Et, mais c'est même un terrain là, bien souvent, je te vaste. Alors, si un dimoun, l'in prend, même sa tigine là aussi, ça veut dire, nous peut dire, à peu près 10 cm là, hein, l'osienne la main, à peu près. Ça montre nous qui, comparé à un terrain qui mesure en pas, en toise ou en perche, sa tibout là, il pas veut dire non, ni ça. Hein, et la fois nous calculer, mais sa tibout là qui est là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui envie qu'il y ait dans la justice, le satibout là aussi. Le satibout là aussi, il ne faut pas être dans la justice. Satibout là aussi, il ne faut pas prendre en cause. Ça, bien mis, il bien. Bien qu'il y bien. Tension dans l'intigine en plus, dans, aux camarades sur le terrain. Quand il y en a pour mettre miraille, quand il y en a pour faire, ben, délimitation, quand il y en a, et la fois, les là, fini rangé, fini monte béton, l'eau là, les là, il arrive trop tard. Pas qu'à dire non rien, donc nous mettons là dans une difficulté. À ce là si ça le dit, là, il y a un bon dimon, il n'a pas envie de nous difficulter, il n'a pas un problème. À ce là s'il y a un dimon qui peut réclamer ce droit, il est un peu exigeant, il est là, il peut faire ou casser, ou ça, il peut faire ou dédommager. Donc ça fait un problème dans Dunia. Laisse problème dans Dunia, dans Akhira, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, qui, quand un dimon il fait l'injustice, attire un terrain là aussi, tuwiqahu min sab'i ardin, pour prendre ça, la terre là, pour mettre ça autour sur les coups, depuis sept la terre. Min sab'i ardin, ça veut dire sept la terre. Alors, ben, nous, la main, on explique ça dans beaucoup de façons. Nous, pas pour rentrer dans un détail. Il y en a beaucoup de symbolisme là-dedans. Comment dire, si nous prenons littéralement, ça, la terre là, pour venir comme une punition autour sur les coups. Et là, les autres ulama ont mentionné qu'il pour enfoncer dans la terre, dans sept la terre. Alors, ben, détail, punition là, nous, à nous pas rentrer là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît, qui ne redire pas ça, ben, nous, la main explique beaucoup, ben, possibilités, mais ce qui nous comprend par là, c'est qu'il y a une grande punition, pour celui qui fait zulum, même un tigine bout de terrain comme ça. Alors, bien souvent, nous pensons, mais ça, un tigine là, laisse-le, pas faire rien. Ça, un roupie, des roupies, mais pas casse la tête, dis, on n'a pas pour dire non, rien. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire quelque chose. Allah pour faire nous rendre compte pour ça. Vous connaissez, il y a des gens tellement sont bons qu'ils ne veulent pas dire non rien. Mais en dedans, ça fatigue les autres. Ils sont déjà contents qu'il y ait autrement. Alors on finit, prend ce droit. C'est qu'il y pour dire où? Il n'a pas envie de faire problème. Et il y a des gens, ils ne sont pas capables de dire non rien. Parce qu'ils sont dans une position majbour, ils sont dans une position faible. Alors ils ne sont pas capables de dire non. Alors, musulman, lui fait ce compte bien. Lui balance ce compte bien. S'il y en a pour faire miser, lui fait miser, c'est qu'il s'y posait revenir à lui. Lui fait un prix, alors, moi, tiens un tigine là-dedans. Moi, arrondis lui. Ça, moi, tiens dans mon côté, ça. Moi, pas prendre un dimon là, ce côté. Ça, moi, dis, ah non, laisse-le pas casser la tête. Moi, tiens dans mon côté. Faudrait pas, nous, empiète, même un tigine, même, là, les autres. Alors, quand on pointe à ça, comment un français qui dit, les bons comptes font les bons amis. Quand vous faites au compte bien, vous balancez au compte bien, là, vous restez camarade avec Dimon. Ou si, qui vous prend quelque chose, Dimon, même un tigine, même beaucoup. Alors, Dimon, là, pour content, il vous dit, ça, Dimon, honnête, ça. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui nous apprend dans ce hadith-là, c'est qu'Allah
les pas accepter qu'il nous fait un tiginsi l'injustice. Alors il peut comment dire message là peut dire hey, musulman, get bien. N'a pas fait l'injustice, même un tiginsi n'a pas fait. Même quand nous pensons li un quelque chose qui est négligeable, un quelque chose qui dit mon pas pour casser la tête, non, ça aussi nous pas fait. Ça aussi nous demande permission. Alors nous prenons deuxième hadith pour aujourd'hui, hadith numéro 209 wa an Abi Musa radiyallahu anhu. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم جيه إن الله لا يملي للظالم certainement Allah lui donne un répit, lui donne un petit peu le temps à الظالم là, nous lui retarde un petit peu. Comment dit mon là fait un zulum, Allah va te rappeler de suite. Et là dit mon qui Allah content lui comment l'infernier, Allah pas envie de faire deuxième. Risse aux oreilles, un tigin. Fais-le comprendre. Dis-moi là pour comprendre, parce qu'il est proche avec Allah. Il pour comprendre, là, mon frère, moi, tu ne peux pas faire. Il pour corriger. Mais il y en a qui fait, qui continue, qui allait même. Il peut assister dans son erreur. Il peut assister dans son péché qu'il fait. Allah pas pressé avec lui. Comme ça, nous pouvons trouver beaucoup de gens autour. Et la fois, il y a des gens qui posent des questions. Mais nous, ça, si nous pouvons faire ça, nous pouvons une punition. Mais c'est moi qui est là qui peut faire. Depuis, je ne sais pas combien de temps il peut faire ça. Qui l'autre là qui peut faire. Je peux continuer dans le mal. Et comment dire, ça, le mal là, quand je peux faire, il peut fructifier. Je peux trouver qu'il peut venir plus bon encore. Je peux continuer, il peut, comment dire, pour autres, mettre les entre guillemets, il peut améliorer. Wa zayyana lahum ash-shaytan wa a'malahum. Et shaytan, il embellit cette action, sa mauvaise action qu'il peut faire là, il embellit, il je trouvais qu'il peut venir plus bon, il peut venir plus bon, il peut venir plus bon. Donc, dis mon là, il continue. Et en même temps, avec ça, nous capables, trouve-lui, comment nous capables, pas trouve-lui, bien souvent, nous pas trouve-lui. Allah subhanahu wa ta'ala, avoy ban avertisseur. De temps en temps, Allah avoy ban avertisseur. Vine, avoy dis mon là, fais dis mon là réfléchir. Donne-lui sa choix là devant lui, arrive un moment, il peut gagner sa choix là, plusieurs fois. Et ça, moi, peut faire ça. Ça n'est pas bon. Allah le bien là. Qui me choisir? Il continue de choisir le mal. Arrive un moment où Allah donne lui sur le temps. Il reçoit le mal. Allah donne lui sur le temps, il reçoit le mal. Allah dit, nous pas punir personne sans qu'il nous envoie un avertisseur. Comme ça, il n'est pas capable de dire qu'il ne m'a pas gagné aucun avertissement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, la yumli le zalim, lui donne sa zalim là, un répit, lui donne lui un peu le temps. Fa idha akhadahu, mais seulement quand il trappe lui. Et dans le mot akhadahu ici, akhadah littéralement veut dire attraper. Alors dans créole si nous commençons à servir ça, Allah pour trappler. Right? Et nous bien comprendre dans ce sens figuratif. Figuratif, ça veut dire, ça pas veut dire qu'Allah pour trapper avec cela, mais ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre compte avec lui, pour faire lui payer pour ce qu'il finit de faire. Alors, فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ quand Allah subhanahu wa ta'ala pour trappler, il n'est pas pour saper. Quand Allah finit de trapper un djimoun, il n'est pas pour saper. Alors, ben, ulama expliqué que ça veut dire que quand Allah pour détruire lui, il peut na simé pour lui revenir. Par exemple, dans le cas d'un kafir, quand Allah pour les lits, pour détruire lui, l'Allah n'est pas pour revenir. Il n'est pas pour remettre lui de sa destruction là. Que Allah protège nous. Et dans le cas de ban djimoun qui pas ban kafir, qui pas ban mushrik, mais qui peut continuer dans notre péché, qui peut continuer dans notre péché, Allah subhanahu wa ta'ala poutrape zot, et sa punition là, li pou sévère. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li en ayat Quran. Wa kadhalika akhdhu rabbika, idha akhadha al-qura wa hiya zalima. Et comme ça même qui Allah quand il trappait là, comme ça même qu'il y était ça, quand il trappe ban qura, qura c'est pluriel de qarya, qui veut dire village, ou ça veut dire la ville. Et dans la ville, ban djimoun entier, dans ban population entière, qui fin faire l'injustice, et je tenais ban l'injustice bien spécifique qui je tenais faire, et Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne ça dans le Coran, Rasoul sallam, il mentionne ça dans le hadith. Et là, par exemple, l'exemple très fameux de la ville de Sodome et Gomorrhe. Le peuple de Lout, alayhi salam, qui jette, il y a beaucoup de tiapitudes qui jette, tu peux faire, beaucoup de grands péchés qui jette, tu peux faire. Parmi là-dedans, c'est qui, tu peux, différence des autres, depuis ban les autres, c'est qui jette, tu peux pratiquer l'homosexualité.
Man misé, tu peux aller man misé. Alors, ça c'est une affaire qui Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une malédiction ça. Alors, comment nous fin trouver? Alors, le peuple de Lout, alayhi salam, Allah fin warning, Allah fin envoyé un prophète parmi eux, Lout, alayhi salam. Alors, fin warning, jusqu'à finalement, Allah fin envoyé un messager, un envoyé, un ange, qui fin prend forme, man dimon, je fin vin kot Lout, alayhi salam, et ça man dimon qui homosexuel là, man mauvais dimon là, je fin vin faire mauvais l'esprit avec ce mandimon là, ce ange là qui paraît comme mandimon. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait les avoir ce mandange là? Justement pour détruire les autres mêmes. Allah finit à Lout, alayhi salam, allez prendre ta famille, allez. Parce qu'il y a destruction pour tomber, et là, destruction fin tomber, fin avoir une boule d'effet depuis les ciels, fin lève ça. Comment dire, fin faire ce qu'il a haut, fin en bas, fin lève lui, fin dévier lui comme ça. Ça, la ville là, comme ça, fin détruit. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas ce qui était. Et là, il y a une coulée en bas, lac, en bas de l'eau, nous ne trouvons pas ce qui était. Alors, comme ça, fin détruit les autres. Comme ça, fin, il y a beaucoup moins les autres encore. Il y a Pompéi, que, par exemple, il y a un volcan qui fait éruption. Et ça va là, nous encore trouvons des traces. Il y a des gens qui sont dans ma position, ils sont dans sa position là-même. Il y a des gens dans la position pour faire Zina. Il y a comme ça même. Il y a le peuple de Had. Et dans le peuple de Thamoud, ça va dire, là, nous capables, dans Mada in Saleh, par exemple, nous capables à le visiter. Enfin, il est possible pour nous à le visiter. Et dans certains, ben, il n'y a pas là-bas, parce qu'il y a malédiction, il descend là-bas. Et dans certains, permettent pas à le visiter. Donc, aller à le guette, ça va dire quelque chose là. Qui quantité, ça va dire, là, qui est extraordinaire. Je suis bien grand. Allah, subhanahu wa ta'ala, fin donne une bonne qualité qui, je type, habite dans ma montagne. Je type avec zot la main, je type taille van montagne pour faire zot la case. Jusqu'à aujourd'hui, nous encore trouve ça van. Nous avons beaucoup de photos, y'en a. Qui a été zot espérance, zot van la case de van montagne. Il est extraordinaire. Allah, tu donnes zot beaucoup de qualité. Je tiens à van qualité extraordinaire. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, fin warning zot, je t'in continue dans zot mauvaise action. Et finalement, fin détruire zot. Et na fin enfonce dans la terre. Et na fin avoy ban divan qui fin détruire les autres et na fin avoy ban les autres calamités encore. Donc ça ayat Coran la dia wa kadhalika akhdhu rabbikum samim Allah quand il trappé idha akhadha alqura wa hiya zalima quand ban la ville fait zulm Allah trappe zot inna akhdahu alimun shadid, certainement quand il trappé sa rétribution qu'il fait là, alors les alim, les douloureux et les shadid et les bien faux. Donc personne peut pas pour capable résister, personne pas capable résister à Allah subhanahu wa ta'ala. So punition les trop faux et Allah subhanahu wa ta'ala quand il punit, ben la peine pour retourner et une humiliation et une destruction là-dedans. Donc leçon pour nous là-dedans, c'est attention quand nous peut persévérer dans le mal. Côté la foi, il y a du monde qui peut faire l'injustice. Alors, les peut sentir qu'il peut venir plus faux, plus il peut faire ça. Fais attention. Ça ne veut dire que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il, il y a du monde qui pensait, il peut faire l'injustice, mais il dit, non, il ne peut pas arriver, moi. Au contraire, moi, je peux correct là-dedans, moi, je peux continuer, moi, je peux réussir, moi, je peux faire plus encore. Ça ne veut dire qu'Allah peut approuver, non. Ça veut dire qu'Allah peut donner un répit. Allah peut dire, lui, moi, je peux donner toi sans se repentir, moi, je peux donner toi sans se repentir. Mais pour un jour, quand Allah peut t'appeler. Alors, nous aussi, nous faisons l'injustice. Nous faire nos efforts pour ne pas faire l'injustice, mais seulement, tous les jours, nous lire, Rabbana, zalamna, anfusana. Oh Allah, nous faisons l'injustice envers nous-mêmes. Alors, nous bâtis l'injustice qui nous fait, même si nous pouvons faire un grand qui Allah subhanahu wa ta'ala. Donne-nous tawfiq pour arrêter de faire. Nous faire droit qui Allah subhanahu wa ta'ala pas trappe nous pour ce moment l'injustice qui nous fait là. Parce que nous pas pour capables, hein, so, azab, li alim, li shadid, nous pas pour capables. Alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous de ce punition. Il fait nous repentir de nous-mêmes l'injustice. Il pardonne nous-mêmes nous l'injustice. Il protège nous de sa punition. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous vivre dans un monde qui reste loin depuis l'injustice. Et il fait nous vivre dans un moyen pour empêcher les autres de faire l'injustice. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.